bien fier qu'ils ont été mon premier lauréat de mon école. Et je continue à persévérer pareil, je ne vais pas arrêter la même. Au contraire, nous vous influence plus à plus de l'avant. Alors, comment ça passe le travail, les sacrifices et tout? Bon, premièrement, pour moi, il n'est pas si évident. Il n'est pas si évident parce qu'il m'a besoin de refaire la SSI. L'année dernière, je suis classé 8e. Et comme on refait, premièrement, il y a les gars, les autres sur moi. Et il y a du moins, je peux dire, par exemple, que je n'ai pas besoin de refaire, je suis classé 8e. Il y a les autres enfants qui peuvent même une pause de ne pas gagner. Alors, moi, je suis besoin de considérer moi béni. Mais je dis non, nous avons toujours plus haut dans la vie. Et c'est ça qui amène nouvelle à réussir. Sinon, qui te demande projet pour l'avenir, qui demande l'étude que tu penses faire? Et moi, je pense pas faire l'étude en droit, peut-être. Peut-être d'université dans l'UK, etc. Mais peu importe ce qu'il m'offre, je toujours aller avec conviction, avec l'ambition. Et je toujours donner moi 200%. Madame, sinon, comment vous ressentez aujourd'hui? Sentiment fier aujourd'hui. Vous devez gagner une bourse pour faire cette étude. Alors comment on met en visage ça?